L'insécurité est en train de connaître une montée très inquiétante dans le département de Bignona depuis le déclenchement de l'assaut sur les positions des combattants du MFDC du chef rebelle Salif Sayo. Cette partie de la région de Jigenchor a renoué depuis quelques jours au braquage et autres attaques. La capitale départementale de Bignona est sous une forte surveillance militaire selon nos sources. Une localité qui aurait connu il y a quelques jours une incursion d'hommes armés supposés appartenir au MFDC. Ce jeudi, en fin d'après-midi, des échanges de tirs ont bouleversé la quiétude des populations du village de Boutolotte et environ des localités situées à quelques encablures de la capitale du Fogny. Pendant une vingtaine de minutes, des détonations intenses ont déchiré l'atmosphère dans la forêt classée de Boutolotte, créant la chicose et les populations de Boutolotte, Kanyarou, Bindago, Piran, Diakine, Bignona, entre autres. Sur le théâtre des opérations, l'armée poursuit sa conquête. Les conséquences engendrées par cette situation sont entre autres le déplacement massif des populations et la fermeture d'une trentaine d'écoles. L'armée sénégalaise a annoncé mardi avoir totalement détruit plusieurs bases rebelles appartenant aux rebelles. Un soldat sénégalais a été tué lors de l'opération militaire. Les affrontements ont fait plusieurs morts dans le camp adverse, a annoncé l'armée sans en préciser le nombre, et d'autres séparatistes ont fui en abandonnant armes et matériel. L'armée avait annoncé le 13 mars dernier le lancement d'une opération en Casamance afin de démanteler les bases de la faction rebelle MFDC de Salif Sayo. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance mène un conflit de basse intensité depuis 1982, ayant causé plusieurs milliers de morts. Jigenchor, Amadi Khalilou Yemi, pour la radio-télévision Alpha Diri.